Een tekort aan parochianen en te hoge onderhoudskosten moest de Sint-Katlijnenkerk geforceerd sluiten. Na 3 jaar beslist Monseigneur Léonard de kerk opnieuw te openen. Maar heeft de kerk voldoende succes? En waar komt het geld vandaan? We spraken met Jeremy Schaub, priester van de Sint-Katlijnenkerk, en Véronique Harbeau, schrijfster van een boek over de kerk. On restera ici une année pour travailler au maximum dans l'église Sainte-Catherine et eh bien, on verra ce qu'elle va devenir. Bien sûr que nous espérons qu'elle restera ouverte parce qu'on y est bien et parce qu'on a aussi pu réaliser que ça faisait la joie d'un grand nombre de personnes ici du quartier et de la ville de Bruxelles. Alors la première chose à voir, ça sera déjà à la fin de l'année, dire est-ce qu'effectivement il y a si peu de monde. Si jamais on se rend compte que c'est une église qui est fréquentée, qu'il y a du monde qui y passe, et j'ai envie de dire pas seulement des chrétiens, mais des touristes, et Dieu sait qu'on en a vu de très très nombreux depuis l'ouverture qui sont tellement heureux de voir un beau bâtiment parce que c'est un bel édifice. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je dirais c'est un bâtiment d'utilité publique qui dépasse même l'aspect du culte et qui donne eh bien, beaucoup de joie à des personnes qui visitent la ville de Bruxelles. Dans ce cas-là, eh bien, c'est sûr que ça engage des frais, mais comme d'autres bâtiments de la ville qu'on choisit de restaurer. Le budget communal de Bruxelles, si on compte les dépenses pour toutes les églises de Bruxelles, je vais donner une indication de prix, 50 cents par habitant. Par an pour le budget ordinaire, 1 euro par an par habitant pour le budget extraordinaire. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau du budget communal, ce soit vraiment très conséquent. Volgens Alain Courtois, schepen van erendiensten, is de kans groot dat de kerk opnieuw zal sluiten op 15 september. Er zijn al genoeg kerken in de buurt en een kapel zal voldoen. Wat er met de rest van het gebouw gebeurt, is onzeker. Deze mening zorgt voor reactie. C'est absurde et c'est une offense profonde au patrimoine et à la culture aussi qu'incarne ce patrimoine. C'est une église, d'accord? Tout le patrimoine le dit, la réaffecter même partiellement et même petitement ou grandement, c'est trahir sa vocation, c'est trahir une symbolique. Notre culture doit garder aussi ce sens des symboles qui structurent, qui construisent une civilisation. Et y porter atteinte, c'est porter atteinte à la vitalité, à l'avenir d'une culture. De kerk bestaat al sinds 1854 en een renovatie is niet uit te sluiten. Het budget is voorzien. Alors, maintenant, il faut bien se dire quand même que l'église n'est pas dans un état pitoyable qui nécessiterait absolument sa fermeture et des travaux énormes. Il y a déjà eu les travaux sur la façade qui ont été faits, qui sont quand même des grands travaux et qui ont porté leurs fruits parce que beaucoup de gens admirent maintenant la façade de Sainte-Catherine. L'extérieur, quoi qu'il en soit, devra être faite et là pour ce projet il y a déjà des fonds qui ont été débloqués donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Quant à l'intérieur, eh bien, nous on va essayer de nous donner au maximum et puis eh bien, on verra dans quelle mesure on peut être aidé pour que ce projet puisse être réalisé. Mais les budgets existent et ils sont proportionnellement tout à fait raisonnables et ce qu'il faut dire et redire, c'est qu'il coûtera beaucoup moins cher à la collectivité de préserver l'église, de lui garder sa vocation originelle de lieu de culte, plutôt de la réaffecter.